Lucie. Le tigre est un mammifère qui appartient à la famille des félins. Une famille bien connue, puisqu'un de ses représentants est très apprécié des humains. C'est le chat. Oh, les jolis minous, miaou ! Mais la plupart des félins sont des animaux sauvages. Par exemple, le chat de Geoffroy, le chat pêcheur, le chat garondi, le serval, oh mais que tu es un gros chat-chat, toi. Parmi les félins sauvages, il y en a de grande taille. Le lion, le roi de la jungle, le seul des grands félins qui vit en famille. Écoutez, le mâle ne peut pas se passer de ses femelles. La panthère nébuleuse, l'acrobate. Avec sa très longue queue et ses larges pattes, elle grimpe facilement dans les arbres, où elle se cache, dort et chasse. Un vrai singe. La panthère des neiges, la mystérieuse. Elle vit en haute montagne et se confond si bien avec les rochers enneigés qu'elle est très difficile à observer, sauf aux eaux. La panthère, tout court, on l'appelle le léopard.